Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour l'épisode 10 de Mario and Luigi Super Lord Saga. Alors on est rendu ici. On allait combattre le vil Bowser. Avec Bowser Jr. Attention, le départ imminent dans quelques secondes. Tombe, plus aucun bloc n'encombre la voie. Nous descendons. N'allez pas croire que je me sois fait virer de l'île des Yoshi. Je suis parti de mon plein gré, bien sûr. Je prépare maintenant mon plan de vengeance ultime. Ce jeune agitateur me ressemble tellement. C'est un vrai petit diable. Il est le partenaire idéal. Ensemble, nous allons vous écraser. On met la gomme, le gagnant rafle tout. Let's go. Bon, bah, let's go, on combat Bowser. Ah, et je viens de remarquer que la skin de Bowser n'a pas tellement changé dans Mario Luigi Voyage au centre de Bowser. Un petit peu. Enfin, là, elle a pas du tout changé dans le mode combat, par contre. On verra ça dans la saison 3, évidemment. Alors, par contre, que faire? Un petit coup de canon? Ouh, le canon avec Luigi, ça risque d'être bien puissant. On va le faire que avec Luigi. Fleur de glace. Boum, 64. Oh! Faut sauter vite. Oh là là. Fait tout trembler le gars. Il nous a tous défoncés. Oh ouais, je vois que c'est compliqué là pour les plombiers. Oh, en plus bébé Luigi il s'est pas soigné. Enfin si. Ça va être compliqué. Car bébé Luigi il sauve Luigi, eh oui. De son sommeil éternel. Ah bah pareil pour Mario hein. Hop. Mario du passé. Soigne Mario du Turfu. Oh là là là, Luigi. Luigi, lui arrive toujours des mésaventures. À chaque des fois, Luigi, il a le feu au cul, mais là, c'est le cas de le dire. Oh bah là, il s'est fait défoncer. Oh là là, mais Luigi. Qu'est-ce qu'il fait, Luigi? Il fait que de tomber. Là. Ah là, il est pas en forme. C'est pas vraiment son jour de chance. C'est dommage, comme parce que du coup... Oliver Plasma n'a pas pu utiliser sa technique secrète, sa botte secrète avec Luigi, le canon, avec le fameux badge simple qu'il a récupéré du précédent épisode. Un badge qui est normalement très puissant, qui a été très difficile à avoir. Oh là là, Mario et Luigi qui ont été utilisés en même temps. Plus droit aux carapaces. Oh là là. Alors c'est les carapaces hein, vous me direz. Les canons ils en ont presque plus, donc ça va être bien puissant là comme il faut. En espérant que les cornes de Bowser ça soit pas fatal. Non c'est bon. 373. Pop. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est tellement puissant, mais c'est cheaté là. Là c'est du cheatage. À ce niveau là qu'est-ce qui se passe? Il donne des chambés. Alors comme ça, ça soigne le petit bébé Luigi, c'est cool. Ah mais là c'est compliqué. Ah là 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 là. Ah là là. Ah c'était quoi ça?
Oh là là, les deux! Ah, il est en forme. Ah là 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 là. Ah, mais là, ils vont user les champis one-up à fond. Hein. Ils en usent tellement qu'ils utilisent plus les super champis one-up qui soignent complètement. Ça, c'est un bon plan. Parce que bon, faut pas abuser non plus. Il nous reste que 7 champis one-up de la mort. Faut quand même en garder contre d'autres boss. Ah là là, bébé Bowser, il le soigne. En tout cas, les plombiers ont normalement compris. Ah mais non. Bon, ils ont le droit d'utiliser A et B en même temps là, parce que là, c'est pas possible. Comment on peut deviner ça? Là, c'est pas possible. Bon, il y a un coup de canon encore. Il va être encore plus puissant normalement s'ils réussissent. Parce qu'il y en a de moins en moins des canons. Oh là, 405 les gars! Ah! Oh, il a eu la fourberie! Et Mario, vu que c'est un noob, il s'est fait avoir. C'est un pigeon et pas Luigi. Luigi, c'est pas un pigeon. Il achète pas Call of. Ah, purée. Luigi, il est mort. Ah là là, il a acheté Battlefield. C'est ça. Ah là 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 là. C'est compliqué pour les plombiers. Il s'appelle Neymar Junior et il vient de le coucher sur un pas. Ah! Luigi, ça reste un petit pigeon quand même. C'est une déception, Luigi. Ah, l'esquive. Ah là là, Bowser est moqueur ce soir. Alors, cette attaque, c'est bon. Là, on fait les deux en même temps parce que c'est pas possible. Là, c'est dans notre level. Là. Je pense que c'était pas une bonne idée de faire ce genre de malus là. Bon, au début, si, mais là, c'est tellement dans notre level. Là, c'est pas possible de deviner. Là. Ah, ah, oh, il est mort. Oh là là là. Alors, en même temps, tout ce qu'il s'est pris là en canon, ça peut se comprendre. Et bébé Bowser va souffrir un coup du canon. La botte secrète de Luigi. Le canon pulvérisateur. Oh là là, va-t-il mourir direct? Ah, il est plus costaud déjà, il perd moins de vie. Ok, bébé Bowser a l'air assez inoffensif au premier abord. Mais ne jamais sous-estimer son adversaire. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi j'ai vu deux vieux plombiers moustachus. Je me suis dit, bon. Ils font aucun mal. C'est une chochotte quoi. Et en fait, je me suis fait avoir. Attention, Luigi, il vérifie ce qui reste en objet. Bon ouais, trampoline, ça reste le meilleur choix pour Luigi. Maintenant que Luigi a ce pouvoir incroyable. Ouais, 9 de dégâts, 8, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Alors sur la fin, ça doit faire mal quand même. Là, ils sont en forme. Ils sont en forme. Oh là là, Mario, il a fait n'importe quoi. C'est toujours Mario, celui qui se viande. 129. C'est quand même un bon coup. Hop. Ah, voilà, voilà, je donne vraiment l'autorisation parce que... On va essayer... Voilà, on va essayer un petit trampoline, là, mais avec Mario. Ça peut faire aussi, mais... Ah, c'est aussi bien, en fait. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est un objet collectif et ça compte aussi sur la chance de Luigi. Ça doit être ça. C'est pas mal si c'est ça. Mais c'est cheaté. Ah, Mario! Ah, j'en ai marre de Mario quand même. 114, bon, c'est pas génial. Bah, il continue quand même, il s'obstine. Il s'obstine parce qu'ils veulent faire quand même... un bon score, parce que là, 114 avec cet objet, c'est pas génial. C'est vraiment pas terrible. Luigi. Bébé Luigi. Mario. Attention. Alors, c'est de la concentration. Oh là là. Oh là là. Allez, c'est viandé. Oh là 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 là. N'importe quoi à la fin. N'importe quoi. Ah mais il est mort.
Ce fut une victoire. Bon, pas vraiment méritante, parce que bon, ils ont perdu plein de fois, là, les plombés, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés dans les pommes plein de fois. Heureusement qu'il y avait bébé Mario et bébé Luigi. Sans eux, ça risquait d'être dur. Hein. Ah, plus simple, c'est vraiment de la daube. Bon, vas-y, bon, je vais partir. C'est un peu cheaté quand même, hein, ce badge, mais franchement, ça valait le coup. Parce que bon, Oliver Placement a mis tellement de temps à choper ce badge. Sur ce, je vous dis, à la revoyure. Et peut-être qu'on se retrouvera dans pas très longtemps, les petits racailles, on ne sait pas. Allez, salut. Gré. Mamma mia! Mais qu'est-ce qui se passe, fiston? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je t'appelle fiston? Ah non, je vais pas encore avoir la même chose que sur l'île de Yoshi! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais exactement ça! Oh, un petit monstre! Deviens plus fort et encore plus maléfique que moi! Gros monstre! Je vais devenir encore plus grand, plus fort et plus maléfique que toi! Par contre, je sais pas si je pourrais voler comme toi! Ouah! Oh là là, cette couleur violette ne m'inspire guère confiance. Bah, vous foutez quoi, les plombiers, là? Il a pas eu peur, Luigi. À bord du vaisseau mère. Catastrophe! Aucune trace de la princesse Peach. Peut-être qu'elle a été emmenée plus loin dans le vaisseau. Nous devons la retrouver. Bon bah let's go. Voilà, on va avoir une fève, ça sert à rien, mais c'est beau. Hop, on sauvegarde un petit coup. On sait jamais si on meurt. Attention. Facile, là. Même pas d'énigmes. Bon, même si généralement les énigmes sont plutôt simples. Oh, parlez les bébés! Non, ça passe pas. Une musique stressante en fond. C'est la musique de l'intro. L'intro du jeu. Ah, d'accord, j'ai compris. On met d'abord les bébés ici. Et ensuite, Papa Mario et Mama Luigi arrivent.
Et hop. Ultra pastille. Ça passe. C'est pas mal. Ça valait le coup. Hop. Ah, il y a beaucoup d'objets. C'est intriguant. Pourquoi y a-t-il autant d'objets? Est-ce qu'il va y avoir un boss dans pas longtemps? Ça sent le boss. Faut se tenir prêt, Luigi. Ah, en tout cas, ça sent déjà l'ennemi. Ah, des vieilles répliques. Ah, par contre, il tire beaucoup plus vite. Ouais, bon, c'est la même chose, mais en plus rapide, quoi. Oh, purée, mais j'ai fait n'importe quoi! C'est pas possible. Bon, je m'en fiche, je fuis. Comme ça... Comme ça, Luigi, là... Enfin, Mario, il ressuscitera sans champignons. One up. Hop. Et en même temps, on peut en donner à Luigi. Et là, c'est parfait. Et là, on peut le tuer cette fois-ci. Attends, hop. On a l'avantage en plus, c'est parfait. Quelle technique de fourbe. Ah purée, mais des fois, il tire plus vite que d'autres. Ah là, mais comment tu veux savoir? C'est impossible! Mais what? Bon, allez, on repart encore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces ennemis bizarres? Ils sont buggés ou quoi? Purée, il va falloir encore utiliser des champignons. Bon, allez, un petit coup pour Luigi, hop. C'est Mario qui fait le multiclonage. Multiclonage! C'est chaud quand même. 81, bof. Pas fou cet objet. On va faire ça. Bon, non, le trampoline est pas mal contre les boss. Bon, un coup de carapace. Bon, moi j'ai annulé hein, l'idée d'annuler les carapaces. Épargne est d'accord. Tout à fait. Il est pas mort. Ok, alors l'autre il est mort, mais... On sait pas, il avait moins de vie. C'est juste qu'ils ont 80 PVP. J'avais fait 80. Mais un peu plus de 80. Oui, c'est un peu du pif. Hein. Ah putain. Faut avoir du réflexe. Il faut pas avoir de l'input lag. Et... Or, moi j'ai un peu d'input lag. Quand je jouais sur la DS, il n'y en avait pas. C'était bien. L'input lag du boîtier à Vermedia. Oh. Vous savez, si je fais du speedrun, je ne ferai jamais sur Vermedia. C'est pas une bonne alternative. Ou plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il avait tiré à l'envers. Ils savent pas tirer, ces extraterrestres. Mais non. Mais non, je suis con. Yes. Baby Mario, oui. Alors. La vitesse, la défense, peut-être, le PV, parce qu'il y en a très peu. Yes. Oh yeah. Un petit coup de PV aussi, bon. Petit coup. Deux. Pas génial. Ah d'accord. Ça éclaire la route. Ça sert à quoi du coup? On le voit quand même. Hein. Ah voilà, là ça sert. Ça sert plus là. Bon, on va faire là. Go. Est-ce qu'il fallait se mettre en boule?
Ah purée, oh, il veut, d'accord. Faut qu'il tape là. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette énigme à deux balles. En plus, il revient toujours au même endroit. Comme ça. Oh, donc là, il est par là. Ah, le dernier. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'était une énigme incroyable. Very good, sweetheart. Parfait, mais il n'y a pas de tuyau pour emmener les bébés. Petit bébé. Ça. Ah mais non, mais on est revenu là. Bon, attendez. Je pense qu'il faut continuer. Ça me fait marrer quand il court. Alors, leur petite casquette qui bouge. Boum, 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 boum. Qui sautille. Hop. Qu'est-ce qu'on a sur la droite? Ah, bah d'accord, il y avait déjà un tuyau en fait. Ah, mais c'est le début ça, c'est le début. On a fait le tour. Là, c'est un raccourci. Bon, vaut mieux enregistrer parce que j'ai un peu peur. Vous savez. Dans le vaisseau mère, d'exemple. Kebab. C'était elle depuis le début. Kebab pizza. Traduction. Je suis la princesse Xampi. Les intrus seront tous dévorés. Que fait-elle? Où il? Que se passe-t-il? C'est maintenant ou jamais. Par là, mes moustachus. Elle est badass. Phew. Vous avez bien failli passer à la casserole, hein, les garçons. Que seriez-vous devenu si un certain reporter au charme fou n'était pas intervenu, petit cœur? Bah, vous m'avez aidé. Alors je vous renvoie à l'ascenseur. Nous sommes quittes, petit cœur. En fait, mes moustachus, pendant tout ce temps, vous avez réellement cru que c'était la princesse Peach? Vous savez qu'elle a utilisé une permutation, comme moi. Une technique à la Naruto. Désolé de vous décevoir, les amis, mais il s'agissait de la princesse Xampi. Là, on savait déjà. Elle nous l'a dit. Comment? Vous avez emmené cette dame au royaume champignon du futur via une faille spatio-temporelle. Oh là là, les garçons, j'avoue que je suis un peu dépassé par les événements. Vous voulez dire que la princesse Xampi avait tout manigancé? Quelle histoire! Mais c'est bien sûr. Elle s'est déguisée en Peach pour s'infiltrer dans le château de Peach du futur.
sa véritable motivation, c'est de conquérir le royaume champignon de votre temps. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour Madame Poison Violet, n'est-ce pas? Si cet enquiquineur de Bowser ne s'en était pas mêlé. Bon, assez de blabla. Vous vous rappelez cette petite beauté? Ah, quelle question. Voilà peut-être la clé qui vous emmènera à la victoire de Moustachu. Mon petit doigt me dit que... Petit cœur. À la tombée de la nuit. Oh, n'assistera au plus gros scoop de toute l'histoire des scoops. Et à moi le fric. Un peu plus d'enthousiasme, mes moustachus. C'est le moment tant attendu. Admirez le travail. Je vais passer sur Ouest France. Sauvegarde. Hey les gars, regardez! Vous pouvez parier de moustache que la clé va ici. Pourtant ça n'a aucun lien. On voit même pas de serrure. Et maintenant, enfin, le secret d'Exampi est le scoop de tous les temps. Photo, mystère, le mystère, le scoop. Découvrons-le. Eh mais... Que se passe-t-il? Ça s'annonce mal. Je ne sens plus mes pieds. Toucher le sol. Oh non, nous voilà dans de beaux draps. Non, pourquoi? Pourquoi est-ce que tout finit toujours mal? À l'aide! Quelqu'un! N'importe qui! Sauf vous! Fichtre! Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Oh, elle a une tête de kebab! Laissez-moi tranquille! Zut! Flûte! Bonne chute, kebab! Que veut dire tout ce vacarme? Quelqu'un oserait-il manger des cookies sans moi? Je meurs de faim, moi! J'arrive! Dévoreur de cookies! Yeah! Je suis bête! Ils m'ont pas vu, ces noobs. Nous devons remettre le village en ordre. Oh, cette image ne cesse de me hanter. Vous savez quoi? Je ne vais plus y penser. Et pourquoi je parle à une caméra, moi? Je m'amuse bien avec la Yoshi, et ça me suffit. Et avec vous, caméraman. Oh! Un deuxième caméraman?
quelle évasion et quel atterrissage en douceur. Je me souviens. Quel talent. Plus on me balance comme un vulgaire bagage, plus mon atterrissage s'améliore. C'est ça l'évolution, les enfants. D'après mes super capteurs, il s'agit du village des Toads. Enfin, ce qu'il en reste. Ce lieu semble avoir subi des dégâts considérables. Faut-il inspecter ce magasin? Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Allons-y, le village des Toads. Je pense qu'après le village des Toads, on va se quitter. Ça a été encore un épisode assez balèze. Oh là là, il y a des zombies robots. Comment ça se fait, ça? Mario. Yes. Bon, il a pas l'air très dangereux. Hein. Ah bah, c'est tout? C'est ça? D'accord. Ah, Luigi, il en rigole. Voilà, c'est même Luigi en rigole, franchement. Ah non, bien sûr, Luigi est très badass. Il est très badass. Il est bien plus fort que Santaman, je sais pas quoi, là, le mec One Punch Man. Bon, on va faire défense 3. Bon, c'est déjà ça. C'est vrai que la défense, il m'en fout un peu, hein. Je perds beaucoup de vie. Oh, et ils mettent des sauvegardes partout. Ah, je pensais que cet endroit était désert. Êtes-vous ici pour faire des empêtes? Hé, Mamie Verte, nous avons des clients. En effet, Mamie Rouge, c'est un miracle. Des clients, c'est encore plus les rues. Ces voyous de Xampi ont ruiné notre pauvre vieux village. Je crois qu'il ne reste plus que nous deux, vieilles carcasses. Ce village est uniquement habité par des souvenirs. C'est hélas la vérité. Nous sommes toutes les deux si tristes, et si nous nous ressentons très seuls. Oh, cruelle solitude! Quand on est vieux, la solitude est la seule réalité. On n'est pas loin de la mort. Ah, mais non, tais-toi! Acceptez-vous de visiter ce magasin tous les jours pour faire plaisir à de vieilles? Oh, bonne idée, Mamie Rouge. Je suis sûr que ces messieurs vont accepter. Vous êtes des gens généreux. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vos salopettes le prouvent. Vous êtes riche. Mais je suis sûr que notre situation ne vous laisse pas indifférent. Je me trompe? Non, oui. Vous allez acheter des tonnes d'articles. C'est si doux à entendre. Je suis aussi excité qu'une adolescente. Oh! Et des tonnes de fric. Tu es prête, Mamie Rouge, ensemble? Bienvenue! Vous êtes chez Mamie, souhaitez-vous voir notre sélection d'équipements? Non. Mais revenez bientôt nous voir, et n'oubliez pas que plus vous achetez, mieux c'est. Et partez pas! Bon allez, j'arrête de faire ma blague. Alors, des équipements, qu'est-ce qu'elles ont? Oubliez tous les sommets augmentent la force des superstars. Les superstars. Ça doit augmenter à donf la force de Luigi là. Oh yeah, 74-70. Yeah, come on. Il faut acheter ça, mon gars. Que 607 en plus, c'est pas cher. Cet habit qui marche au champion augmente les PV. Bah, franchement, je préfère bien plus le Superstar. Superstar. Ok, la défense elle est. Non, elle est mieux sur Superstar. Bon, je prends ça. C'est trop bien là. Je peux pas passer. Écoutez, une occasion pareille. Et j'ai la balle de blé de le champion. Et Jim, ça c'est pour les PV, ok. C'est vrai qu'à l'époque j'aurais choisi les PV, mais là. Je suis plus stratégique là, je suis plus stratégique dans mon truc. J'ai du bruit. On sait toujours rien, faut avoir le plus de vie possible. C'est forcément mieux. Ah mais si t'as de la skin peut-tu, t'as besoin. Vous êtes accessible. Énormément de blé quand même. Enfin, surtout que les salopettes étaient assez chères, mais bon, ça valait le coup. Là, on est rodé, là, on va faire mal. On va tester sur l'ennemi, là. Il est plus là.
Mais il va y avoir les mêmes ennemis. Ah bah voilà. C'est parfait. On va voir ce que ça donne. Hop. Hop. Oh, c'est pas fou. Il fait quoi là? Ah, faut sauter. Ah d'accord. C'est tout. C'est pas fou, hein. Bon, c'est surtout la défense, quoi. On gagne beaucoup en défense, mais en attaque, c'est pas un truc de fou. Quoique, j'ai fait extrêmement mal, là, en riposte. Ah, mais je crois que c'est Mario qui a le badge riposte. Ou bébé Mario, je sais plus. Ah, purée. Que 1. Inutile. Ah, super, Luigi, il tombe. C'est magnifique. Ah, mais Luigi, c'est mort, il va pas esquiver, purée. Oh là là, ce noob. En plus, il avait même pas tiré sur Luigi. Bon, c'est facile. Cette attaque, franchement, rapide. Oh, Mario, quand il riposte, il fait extrêmement mal, ça c'est bien, c'est bon ça. Bon, je suppose qu'il faut monter là-dedans. La musique est mélancolique. J'essaierai de mettre une musique plus gaie, avec cet environnement catastrophique. Non, cette fois-ci, on va vraiment laisser cette musique, parce que là, autant la musique des tombes, là, c'est vrai qu'elle est à moitié mélancolique, là, on comprenait pas trop pourquoi, mais là, il y a une logique. C'est un village dévasté, quand même. Voilà. Hop, hop, hop. Fracaf. Ouh loulou, faire gaffe. En plus, les ennemis, les espèces de Kirby roses, là. Faire attention, là, avec les Kirby ailés. Ouh loulou, ils sont très costauds. Ceux-là sont pénibles aussi. Hein. Que font-ils déjà? Ok, ils font ça. Moi, je la joue safe. Hein. Carapace rouge, je crois qu'on peut en lancer à l'infini. Jusqu'à ce qu'on se plante, évidemment. Ça peut être pas mal. Mais en même temps, je galère quand même quand... On est en stade super, là, avec le vert, donc... c'est pas vraiment mieux. Et ça arrive souvent que je me plante avant que la verte soit... éclatée. Donc bon. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Ça a une utilité si on a de la skill. Si on a le rythme. Et qu'on n'a pas d'input lag. C'était cette magnifique excuse. Ah voilà. Ah ok, mais Mario et Luigi doivent descendre aussi en même temps. Et c'est vrai qu'on va être souvent séparés là. Je me souviens. Hop. Nickel. Il y aura certainement d'autres obstacles de ce genre sur notre route. Peut-être sera-t-il avisé de vous séparer des bébés quelque temps. Je tiens à vous dire que l'étoile Colbat se comporte très bizarrement. D'après mes analyses, l'activité de l'étoile cobalt a un lien évident avec la colline étoile. Mes capteurs indiquent qu'un chemin portant du village mène de la colline étoile, mais les signaux émis par l'étoile cobalt me laissent perplexe. Je n'ai aucune explication. Allons à la colline étoile. La réponse nous attend là-bas. Retour à l'action! Parableux. Bon, ça va pas être aussi énorme que ce que j'ai eu. Ah non. Évidemment. Ah si, attendez. J'ai même pas fait gaffe. Ouh, quand même. Cet habit léger est doté d'ailes servant à booster la vitesse. Ça booste la défense aussi. J'hésite.
on perd pas énormément en attaque. Puis Mario, de toute façon, il a une meilleure attaque que Luigi de base. En vitesse, on gagne à balle, on gagne énormément. Et en défense, on gagne bah, comme on perd en attaque à peu près. C'est un peu mieux, quoi. Et pour Luigi, ça donne ça. Luigi, de toute façon, il a pas une énorme attaque. Mario qui plus attaqué. Franchement, à essayer, mais à méditer. On va le mettre pour l'instant. On va voir si vraiment Mario, il attaque plus de fois que Luigi, et après... Avec cette vitesse de feu... Tiens, on va tester sur cet ennemi. Tiens, on défonce d'abord celui-là, parce qu'il est vraiment pénible. Il va vite. Font pas trop de dégâts les roses, tiens, par rapport à celui-là qui fait énormément de dégâts là, le robot purée. Il fait 20 dégâts d'un coup malgré l'équipement que j'ai. Heureusement que j'ai acheté cet équipement rapidement. Purée. Ouais, d'accord. Oh, je me souviens de dés. En même temps, il fait nimp là. Ennemi de merde là. Vas-y. Dégage. Bon, ils sont pas très dangereux. Ça en fait. Ouais, bof, franchement, ça sert à rien en fait. Pourquoi ça sert que Mario il ait plus de cœur hein. Ouais, plus de cœur, plus de. Fichtre. Plus de vitesse. Ça sert à rien. Après, il a une meilleure défense. Il y a ça aussi qui compte. Mais... Non, franchement... La vitesse, c'est assez naze. Hein. Ça sert pas à grand chose. Hein. C'est vrai que des fois, l'IA peut nous attaquer plus de fois, mais... C'est pas non plus tout le temps, et puis de toute façon le boss final il attaquera tout le temps 10 000 fois, oui. Il y a une vitesse pas possible. Et parce que je m'en souviens. Voilà, on va remettre ça. C'était très bien. Et l'autre parableu, bon, on sait pas, on verra. Si vraiment on galère contre, je sais pas, un boss, peut-être qu'on essaiera ça. Hein. Mais c'est vraiment secondaire. Ah, voilà, enfin. Au bébé de jouer. Bébé Mario! Quoique, il y a des objets, je craque. Voilà. Carapace rouge, c'est pas mal en plus. Hop. Est-ce qu'il y a un petit écho? Ah, purée. Bon, celui-là, ça va. Oh, c'est de la melle. J'ai fait nimp. Mais je crois que c'est ça, c'est que le rouge, il se pète jamais. Ils font un bal de dégâts, bébé Mario, bébé Luigi. Ils en font un peu plus que... Non, ils en font presque autant que Mario Luigi. C'est fou. Alors qu'avant, c'était divisé par deux, quasiment. Après, ça valait le coup de mettre ses équipements, quand même. Quand même pas mal, hein. Les chiffres ne trompent pas. Visiteurs de la colline d'étoiles, entrez dans le tuyau bleu, office du tourisme. Hop. Bon, bah voilà, on va rentrer dans le tuyau bleu bientôt. On fait d'abord, hop, on ouvre d'abord ce passage pour pouvoir revenir dans le château. Sauf qu'il n'y a pas trop besoin de revenir dans le château, là. Parce que du coup, on a pu faire nos emplettes avec dans le magasin, là. Sinon, je serais allé dans le château, évidemment. Je pense que c'est moins cher dans le château. Enfin bon, c'est pas grave. Sur ce, là, ça va être la fin de l'épisode 10.
Nous sommes bientôt à l'antre de la comète spatiale interstellaire. Attendez, c'est quoi déjà? La colline d'étoiles. Ah bah c'est tout aussi. Je m'attendais à un truc compliqué. Nous sommes pas loin du monde de la colline d'étoiles. Donc ça sera l'épisode 11. C'est dans l'épisode 11 qu'on vagabondera. Oh, c'est beau, c'est beau. La colline d'étoiles. Étoile cobalt. Et nous allons peut-être connaître les intentions de l'étoile. Pourquoi l'étoile veut absolument qu'on passe par là. Sur ce, je vous dis à l'envoyure pour de nouvelles aventures. Ah, avec seulement Luigi. À l'envoyure. Hello! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule!